Et yo les bros, c'est Younes, du coup on se retrouve pour une petite vidéo, là il est 7h du matin mais je suis bien réveillé. Et je fais une petite vidéo sur quelques tricks sur les champions, vos champions préférés. Mais pas tous les champions parce qu'il y en a beaucoup. Et la vidéo est pas assez longue, t'as dû comprendre en voyant la durée. Donc déjà sur Blitzcrank, donc maintenant faut le jouer avec Purge. Parce que vous voyez, donc là il y a le boost de vitesse de déplacement. Et quand il est fini, normalement on est ralenti, et avec la Purge on est plus ralenti. Du coup c'est OP. Je vous le montre une fois pour ceux qui n'ont pas compris. Vous voyez là, je suis ralenti. J'utilise Purge, je suis plus ralenti. Du coup, c'est bien. Après, vous pouvez aussi le faire avec Tahm Kench, sauf que ça marche pas. Du coup, c'est un peu moins bien. Mais vous pouvez le faire. Alors, comme vous voyez, ça marche pas du tout. Mais l'effet visuel est beaucoup plus joli que l'exhaust. Ensuite, les bros, une petite astuce de build avec Jace. Donc, ça consiste à faire la lame enragée de Kinzo. Comme ça, on régène deux fois plus de mana avec les auto-attaques. Et comme ça, il n'y a pas trop besoin. Parce que Jace ça consomme beaucoup de mana. Et comme ça t'en récupères. Tu peux en dépenser vu que t'en récupères. Et une autre petite astuce pour les petits malins. Si vous faites un E flashé, et bah il sera projeté dans la direction où. Bah c'est intéressant quoi. Vous voyez? Franchement ça peut faire des petits tricks et c'est intéressant quoi. Donc il y a une petite astuce avec Gnar, c'est que vous pouvez cancel votre jump avec votre flash. Comme ça, vous n'avez pas à attendre la fin de l'animation. Et vous pouvez finir et mettre la troisième auto. C'est super pratique. Et vous pouvez aussi lancer des machins pendant que vous êtes en l'air. Mais c'est impossible de viser. Bonne chance pour ça. Ok, donc celui-là, regardez bien parce que c'est subtil. Vous voyez là, j'ai aucun point dans le Z. Je mets l'ulti. Et hop, il y a quand même trois effets meurtrissures qui viennent alors qu'il n'y a pas le Z et ça fait des dégâts. Du coup, il n'y a plus besoin de mettre des points dans le Z de Varus. Parce que les effets meurtrissures, ils sont là quand même. Allez, zoop, zoop, ça n'existe pas. OP. Ok, donc ici, on a une situation qui arrive assez souvent. Donc là, j'ai plus assez de mana pour faire mon combo. Et du coup, pour passer de l'autre côté, bah, je peux tout simplement TP dessus. Et bah, du coup, je peux m'escape sans avoir de mana. Là en l'occurrence j'avais le flash mais c'est parce que c'est le mode d'entraînement. Je peux tout me permettre. Là j'ai flashé dans le mur par exemple, c'est une Domingo. Très amusant au demeurant. Ici on a une petite astuce sur Karma. En fait le délai de mantra il est réduit pour chaque auto-attaque sur les ennemis. Et du coup il suffit de faire Runan et Ginzo. Et comme ça vous l'avez tout le temps, regardez le cooldown comme il est. C'est incroyable. N'hésitez pas à abuser de ça en solo queue. Donc là j'ai un petit trick sur vie. Vous voyez là c'est la range de l'ulti. Et il suffit de flash pendant le casting time. Et du coup vous pouvez ulti avec une plus grande range. En fait c'est comme si vous pouviez lancer votre ulti d'ici. Et bah c'est game breaker quoi. C'est... ouais. Voilà. À présent une petite astuce sur chaîne, si vous avez envie de taunt mais que vous avez plus assez de PV pour tanker les dégâts de quand vous avez taunt, et bah vous pouvez faire un E Zhonya et ça a quand même taunt. Et ça se finira à peu près en même temps, du coup c'est très très chouette. Bon là j'ai raté, mais en général ça marche, regardez hop. C'est un peu comme OP mais en moins bien quoi. Ok, la dernière petite astuce c'est de prendre une proto belle sur Skarner. Comme ça on peut tirer l'ennemi un peu plus loin. Et bah c'est super fort parce que du coup si vos alliés sont plus loin et bah la cible elle est quand même ramenée vers vos alliés. Alors que si vous aviez pas la proto belle, bah il serait juste un peu avant les alliés. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est ça, si c'est le cas, laissez un pouce de la couleur que vous le voulez. Et bisous. La vidéo.